Les amis, regardez. Regardez vous-même la beauté. Regardez l'incarnation de la beauté. Les hommes sont méchants. Ça ne sert à rien de perdre ton temps derrière un homme. Ça ne sert à rien de supporter un homme dans sa galère. Ça ne sert à rien de te plier. Même si tu te plies en 20, en 50, l'homme qui va partir va seulement partir. Donc, mes sœurs, vraiment, ça ne vaut plus la peine de supporter les histoires où tu dis que tu vas construire ta vie avec un homme, tu vas te battre avec un homme. Ça ne vaut plus la peine. Si tu vois ton bonheur, pas seulement. Si tu vois l'opportunité, l'opportunité se saisit devant toi, pas ne réfléchis même pas. Patati patata. Ça, c'est ce que ces femmes racontent depuis une semaine sur les réseaux sociaux. On nous a présenté celle-ci en nous faisant comprendre que c'est l'ex femme de Kérosène. Ils ont eu 3 enfants, même comme Kérosène est surpris aussi de l'information de ce qui se passe sur la toile. Ce que je voulais faire comprendre à mes soeurs, c'est que l'argent, la beauté, je ne sais pas, l'or ne peuvent pas retenir un homme. La seule chose que nous les hommes, nous voulons, je vous parle là, avec quelques années d'expérience. Tout ce que nous voulons, c'est où on va poser la tête comme ça et dormir jusqu'au matin. Ça veut dire que la paix, chaque homme, même le fou, a besoin de la paix. Donc même si vous donnez ciel et terre à un homme et qu'il n'a pas la paix, qu'il ne se sent pas homme chez lui, un homme, c'est un roi chez lui. Tout homme est un roi dans sa maison. Si vous ne donnez pas la place du roi, vous ne l'honorez pas, vous ne le respectez pas. Un jour, vous allez le perdre. Seules les femmes qui ont donné tout ce que j'ai dit là à leur mari, qui méritent le respect et peuvent garder leur mari uniquement pour elles. Nous sommes tous nombreux à juger Kérosène actuellement, si. Mais personne, n'y a que Dieu qui sait ce que Kérosène vivait. Tous les jours, on se plaint. Dans la galère. J'ai vu les gens dire qu'il a abandonné sa femme de galère pour épouser une autre qui a l'argent jusqu'à changer de religion. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Ne confondez pas la femme de galère et la femme avec qui vous avez partagé la galère. Donc, c'est 2 choses. La femme de galère n'est pas la femme qui vous a supporté pendant la galère. Parce qu'il y a les femmes pendant ta galère qui t'insulte ta famille, qui te méprise. Chaque jour, on te donne les mots durs. Tu supportes parce que tu n'as pas le choix, parce que tu es foiré. Il y a les femmes qui te trompent même avec tes amis. Il y a beaucoup de couples ici dehors comme ça. Le gars supporte le seulement. Il n'a pas le choix. Il laisse, avoir plusieurs go là, ça demande l'argent. Il y a des hommes qui sont fidèles, pas parce qu'ils veulent être fidèles, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mais dès que l'opportunité s'ouvre, là, pam, pap, le gars ne réfléchit même pas. Faites attention. Apprenez à respecter vos maris, que ce soit dans les bons moments, que ce soit dans les moments difficiles. Donnez la place que votre mari mérite. Respectez, donnez de l'amour. Aujourd'hui, vous parlez du mariage. Le mariage que vous voyez là, c'est le partage de cet amour-là entre 2 personnes. C'est-à-dire quand vous vivez déjà ensemble, hein? Comprenez bien, quand vous vivez déjà ensemble, vous partagez les mêmes idées, vous faites même des enfants. C'est ça le mariage. Vous pensez au mariage, c'est quoi? C'est la célébration qu'on voit là, on part à la mairie, on part doter. Non, ça c'est ce que les parents ont mis sur pied, que non, il faut quand même que les familles doivent se connaître, vous nous donnez un peu, on mange aussi, ce qu'on appelle la communion, avant que vous partez vivre ensemble. C'est pas ça le mariage, c'est la célébration. Ce que le gouvernement aussi venu, le blanc est venu aussi avec dire que l'acte des mariages, là, ça c'est juste pour le blanc. Mais le véritable mariage, c'est le partage entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, quand tu parles même, tu trouves même une go qui est belle, qui t'intéresse, qui a un bon comportement, comme je dis, tu veux l'épouser. Quand tu pars chez les parents, tu te rends compte qu'on t'envoie chez l'arrière-grand-mère. Ou bien la grand-mère, ce n'est même pas la mère qu'on n'avait pas dotée, même la grand-mère, on n'avait pas dotée. Quand tu t'engages à doter, mais tu pars plutôt doter la grand-mère ou bien l'arrière-grand-mère. Mais est-ce que les parents de ta femme n'ont pas vécu le ndolo toute leur vie? Ils n'étaient pas heureux. Donc, il y a des jeunes, nos jeunes soeurs aujourd'hui, dès qu'on les met l'alliance là, pum, hey, c'est que tout est déjà bon. Que non, j'ai signé la monogamie à mon mari, il ne va jamais avoir une autre femme. Allez un peu voir les hommes qui ont signé la monogamie, combien de maisons ils ont construites aux autres femmes et fait même des enfants avec ces femmes-là. Vous pensez, on n'appelle pas ça le mariage. Un homme qui te construit la maison, qui fait les enfants, vous partage sa vie avec toi. L'acte de mariage, c'est quoi? Donc les sœurs, quand on vous met l'alliance là, c'est où même le travail commence. L'amour, l'homme que vous voyez là, le mariage que vous voyez là, c'est comme le corps humain. Vous-même les femmes là, quand vous dormez seulement un jour sans vous laver là, vous connaissez les odeurs, ce qui vient après, non? Donc c'est que vous allez entretenir votre mariage comme vous entretenez votre corps. On voit des femmes, dès qu'on les met l'alliance là, tu as passé du temps pendant nos fiançailles à être sexy, à être belle, à être jolie. Dès qu'on te met l'alliance, pape, c'est les cabarets que tu commences à porter, tu commences à te comporter mal. L'ombre en cramoison, c'est toi qui gonfle, c'est toi qui même l'accueillir, l'enlever ses habits, faire les petits soins et tout. Tu n'as même pas ce temps-là, tu es fatigué. Mon ami, c'est toi qui mets ton homme dehors. Et quand il te reproche, je n'aime pas voir ceci, tu as dit donc, pardon, ne me fatigue pas. Selon toi, tu es marié, tu as l'alliance, non? Ok, c'est comme ça que tu as créé que ton homme dehors. Demain, quand on entend là que l'homme là ne revient même plus à la maison, la tête est déjà ailleurs. On dit vraiment, les hommes sont méchants. Hein? Comment un homme peut te donner 3 enfants? Tu l'abandonnes pour aller poser une autre. C'est la paix. Même si vous avez l'or, même si vous donnez quoi à un homme, et l'inverse n'est pas le cas. Il y a les femmes qui sont prêtes. Je ne veux pas dire aussi qu'il n'y a pas les hommes qui se plient en 10, hein, parce que la femme a l'argent, mais c'est 2%. Mais chez les femmes, c'est 70%. Il y a les couples, on connaît beaucoup de couples. Là, la femme est là parce que le gars a les dos. Tant que tu as l'argent, la femme est prête à tout. Elle est même fidèle, même si tu as un sale, même si tu as un criminel, même si tu tues, même si tu fais quoi. Tant que tu portes le paquet d'argent que tu donnes à la femme, elle ferme sa bouche, elle reste pour toi. Mais ce n'est pas le cas chez l'homme. L'homme supporte, mais dès que l'opportunité, il trouve l'opportunité là, il part. Donc ça, c'est ma pensée, c'est ce que je pense, que c'est ce qui est arrivé à Kérosène. Ne jugez pas Kérosène. Kérosène a trouvé celle vraiment avec qui, lui, il se sent en sécurité. L'homme veut la sécurité, le respect. L'homme veut se sentir homme. Donc arrêtez de mépriser vos hommes pour venir pleurer. Que vraiment les hommes sont méchants. Aucun homme n'est méchant. Prenez bien soin de vos hommes, ils seront pour vous. Mais quand vous parlez, ah, dis donc, même vous là, même si on fait quoi, vous allez toujours aller ailleurs, ça ne vaut pas la peine. Je parlais seulement pour les hommes. Je ne suis pas une femme pour parler pour les femmes. Donc les femmes, vous allez vous défendre. Parce que vous avez venu ici, que même l'homme, même la femme, c'est pareil. La femme peut aussi, quand la femme quitte le mariage, quitte un homme, pour aller poser une autre, qu'est-ce que vous dites? C'est le même langage là que oh, la femme là est barate, la femme là a abandonné l'homme avec 3 enfants pour aller poser un autre boy. Non, elle a trouvé son bonheur, maman. L'homme là lui perdait le temps. Maintenant, la femme là ne perdait pas le temps à Kérosène. Merci de partager la vidéo. Je vous attends au studio Vision Pro, la loterie américaine. Nous sommes déjà le 2e jour. Donc, les gars, question de temps. En tout cas, c'est chacun qui veut son bonheur. Personne ne partage son bonheur avec l'autre. Ceux qui veulent jouer à l'hôtel américaine, retrouvez nos studios Vision Pro en face, Total Ngusso. Hein? Et surtout, méfiez-vous des gens qui vous font jouer à l'hôtel américaine avec les photos de téléphone là. Vous n'êtes pas en train de jouer. Donc si vous faites des photos avec le téléphone pour jouer là, sachez déjà que vous êtes disqualifié. La qualité de l'image, c'est très important. La qualité de l'image. À bientôt.